J'ai commencé l'aïkido il y a maintenant 60 ans. J'avais 11 ans. Je venais d'une pratique du judo qui ne me satisfaisait pas complètement parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de cours enfant et donc c'était un peu compliqué pour moi de pratiquer avec des adultes. Et après les cours de judo que je pratiquais dans un dojo assez célèbre qui s'appelait l'Alhambra à l'époque, qui était un dojo qui avait été créé par M. Raymond Sazia, je voyais qu'il y avait des gens habillés un peu bizarrement avec des jupes culottes et qui prétendaient que l'aïkido ne demandait pas de force, qu'il n'y avait pas de rapport de force. Alors évidemment, forcément, comme j'étais petit et pas très costaud, ça m'a intéressé, je suis allé les voir. Comme ils n'étaient pas très nombreux, ils m'ont adopté et puis depuis 60 ans, je suis toujours sur le tapis. Ce qui m'a donné envie de pratiquer au début, c'était le côté un petit peu mystérieux qu'il y avait des arts martiaux. Il faut se replacer dans le contexte des années 1960-65. Il y avait ce côté un peu, je dirais, mystique de la pratique qu'on a perdu maintenant, et c'est bien dommage. Et pour un jeune garçon, pour un adolescent, fréquenter une culture totalement différente comme la culture japonaise, à la fois dans la pratique de l'activité elle-même et toute la philosophie qui englobe finalement cette pratique, puisque en fait quand on pratique un budo, un art martial, un véritable art martial, on pénètre une autre culture. Donc c'est cette culture qui m'a attiré, qui m'a ensuite emmené au Japon, où j'ai évidemment été formé. J'ai pratiqué aussi d'autres activités martiales, le sabre, le kenjutsu, un peu le kendo, le kickboxing à un certain moment, quand j'étais au Japon, parce que j'avais envie En fait, je suis quelqu'un qui adore la compétition, et j'ai choisi une activité où il n'y a pas de compétition du tout. Donc j'ai eu envie à un certain moment de voir comment on pouvait, non pas se confronter, mais comment on pouvait repousser un petit peu ses limites de façon à parfaire sa propre pratique. Alors la pratique de l'aïkido se fait à main nue, normalement. Évidemment, l'héritage culturel qu'on a des samouraïs ou des systèmes de combat font que beaucoup de mouvements viennent de la pratique du sabre, les attaques par exemple, ou du jo ou d'autres armes, pourquoi pas. Dans l'aïkido, on conserve le boken, la pratique donc du sabre en tant que tel, du jo, qui est donc le bâton, et aussi le tanto, qui est le couteau. La part de ces armes n'est pas très très importante finalement. Certains professeurs évidemment vont avoir tendance à beaucoup pratiquer parce qu'il y a un côté très ludique en même temps à pratiquer les armes, il y a un côté quelquefois plus martial, et puis d'autres pas du tout. À l'aïkikai par exemple, il n'y a pas de cours d'armes parce que Osensei, le créateur de l'aïkido, considérait que les armes finalement sont à l'intérieur des mains. Quand je suis arrivé au Japon, j'avais 18 ans. À l'Aikikai de Tokyo, il y a beaucoup de cours toute la journée et j'avais tendance évidemment à suivre tous ces cours puisque j'étais là-bas pour ça. J'ai donc suivi des cours de, je dirais maintenant, une vingtaine, une trentaine de maîtres. Mais mes deux professeurs, mes deux mentors sont Maître Kishomaru Ueshiba, qu'on appelait Doshu, le fils de Mori Ueshiba, et Maître Yamaguchi, Maître Seigo Yamaguchi. Maître Ueshiba représentait l'orthodoxie de l'aïkido, c'est-à-dire que lui était le garant de la technique, c'est lui qui protégeait un petit peu ce patrimoine légué par son père. Yamaguchi-sensei, c'était très différent, bien évidemment un grand technicien, mais il se permettait, après avoir
assimiler toute cette technique, d'en faire une interprétation personnelle, c'est-à-dire d'amener quelque chose de vraiment nouveau dans cette pratique. Et je pense que l'équilibre entre ces deux grands maîtres m'a donné une ouverture à la fois technique, bien sûr, mais en même temps une ouverture beaucoup plus vaste sur tous les champs d'investigation, c'est-à-dire toutes les pistes qu'on peut explorer en aïkido à partir d'une base commune, quelles sont les pistes qu'on peut explorer. Ils m'ont donné une légitimité, c'est-à-dire que d'un côté, le fait d'avoir travaillé avec le Dōshū me permet, sur le plan technique, d'être sûr de ce que j'avance, et ensuite, la légitimité de pouvoir interpréter moi-même ces techniques de base, et de les modifier, mais au contraire, d'y amener une note personnelle. Alors, l'aïkido a ceci de particulier, c'est que c'est un budo dans lequel il n'y a pas de compétition. Alors, bien sûr, il faut définir ce qu'est un budo. Actuellement, il y a évidemment une plénitude de systèmes de défense, de systèmes de sport ou d'activité martiale. La particularité de l'aïkido, c'est que, en tant que budo, on travaille davantage sur un système d'éducation, c'est-à-dire que plus qu'un art de défense, on va essayer de transformer la pratique en y amenant certaines constantes, ce qu'on appelle les constantes de la voix, c'est-à-dire à travers une pratique, on va évidemment apprendre la technique, mais on va apprendre la spontanéité, on va apprendre le respect de l'intégrité, la sienne, celle du partenaire, on va apprendre évidemment l'étiquette, la façon de se présenter sur un tapis à l'extérieur, on va apprendre la sincérité, on va apprendre la richesse de la communication à travers une action martiale. Voilà, ça c'est le budo, c'est-à-dire que à travers des mouvements qui sont évidemment à base de self-défense, on va essayer d'enrichir cette pratique en y apportant une discipline un peu plus spirituelle. Au niveau de la fédération française, 80% pratiquement des cadres techniques de cette fédération ont été formés dans mon dojo à Vincennes. Mais j'ai aussi énormément travaillé à l'étranger. Beaucoup de pratiquants sont venus et viennent toujours pratiquer régulièrement, même après avoir obtenu des 6e et des 7e dan. Principalement sur les pays européens, mais depuis, on va dire, une vingtaine d'années aussi, beaucoup sur les pays de l'Est, tels que la Pologne, la Hongrie, la Russie, l'Ukraine également, ce genre de pays. Je travaille aussi beaucoup aux États-Unis, en Amérique du Sud, où je vais tous les ans, et où j'ai toujours des relations serrées avec ces gens. Parce qu'en fait, comme les professeurs se déplacent régulièrement pour participer 2, 3, 4 fois par an à des stages d'une semaine, moi-même, me rendant dans ces pays, ces gens-là sont un relais pour une forme d'aïkido qu'ils ensuite peuvent évidemment redonner à leurs élèves. Depuis une dizaine d'années, je suis beaucoup sollicité en Chine également, où là, l'aïkido est encore, à ses débuts, mais qui est très très prometteur, compte tenu évidemment de la population. Je donne des cours au Japon, enfin je donne des stages au Japon également de temps en temps, soit pour la Fédération mondiale, soit dans le cadre d'invitations privées. Bien évidemment, je ne prétends pas être le professeur de certaines personnalités au Japon. Néanmoins, beaucoup se réclament quand même de mon enseignement. Sincérité et humanisme, toujours.